Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 19. Ça 19, oui. J'avais déjà oublié. Ouais, c'est passé 2 minutes. De Dragon Age 2, il est 15h15, nous sommes le 17 janvier 2015. Et on était à la Mindos. On va changer d'endroit. Allez, on repart d'en haut, on se fait les terres brisées. On va partir sur vraiment les quêtes extérieures. Pour revenir à la ville, ça fait du bien, tu peux te changer, j'en avais marre de rester dans la ville. Parce qu'il y avait toujours des petites quêtes et puis je les suivais mal. Mais c'est... Je connais cet endroit. C'est pas de là qu'on est venu ? On est arrivé. Ah ouais, d'ailleurs. J'ai bien l'impression. Eh ouais. Chasseur, allez, Dalassien, bonjour. Le plus tôt sera le mieux pour votre départ. Ouais. Bah tiens, il faut tirer le vendeur. Bonjour. Chemlen, formidable. Faites ce que vous avez à faire, Evie. Oh la vache, arc est court. Il nécessite 25 en dex, ok, ça y est. Il fait combien de dégâts? 70. Et il a quoi? Attaque 63, plus 7 dans un rayon de 2 mètres. On va garder le S1. Donc l'eau. Mouvant. Donc là, il faut de la force et de la conce. C'est réceptif à moi. Pareil. Et ça, il faut. Bah, je suppose que c'est pareil. C'est réceptif à Camille. Voilà. C'est ça qui est gênant. La moulette, on la va vendre. Ah, je vais garder celle-là. Ça, je garde tout. Autre, je garde le bric-à-brac. On vend. Donc, 53, 13, on est à 18. 53, 28, on est à 8. Ok, on avait 10. À peu près. L'artisanat d'Alassien. Oui, l'artisanat d'Alassien. Magie plus 1, taux de régénération de mana endurance. C'est pas mal. Et là, t'as une santé plus 6. Yeah, Kenny fait quoi? Attaque plus 14, ça m'intéresse. Au lieu de la santé. Pas d'égal, je vous le garantis. Où est la quête? Je ne peux pas bouger. J'avais une quête ici. On va visiter le reste et on vient. Du coup. On va visiter la suite de la carte. Quoi. La débloquer complet. On avait bien une quête, je suis pas fou. Votre peuple connaît certainement des histoires sur les Dalassiens, non? Mon peuple? Les elfes de Teyvinter. Ils doivent avoir un prix. En fait. Entendu parler de nous? Oui, en effet. Mais ils n'en ont que faire. Mais s'ils s'étaient enfuis, les Dalassiens les auraient aidés. Et s'ils s'étaient envolés dans les cieux, ils auraient élu domicile dans les nuages. Que mangeraient-ils dans les nuages? Il n'y a rien d'autre que du duvet. Pourquoi je peux pas bouger la carte? Donc là, y a rien. Quelques oiseaux. Voilà pourquoi personne ne prend les Dalassiens au sérieux. Bon. Alors, on va regarder les quêtes qu'on a ici. Du coup, on est où? Alors, il y a un truc qui va me vendre. Carte de Kirkwall sous l'occupation. Vous n'êtes jamais longtemps absente, Meryl. Ne vous mettez pas dans tous vos états, Arène. Je partirai d'ici bien assez tôt. Oh, Meryl, tu es revenue. Comment s'est passé ton séjour chez les Chemlen? Il n'était qu'amour et beauté, Maître Hélène. Le bas cloître est superbe au printemps. Les cabanes en ruine et les brutes, ivres mortes, sont sublimées par une boue qui arrive aux genoux. Oh. Ce chemin, c'est toi qui l'as choisi, Meryl. Ton choix a d'ailleurs beaucoup attristé le clan.
Si le clan était plus ouvert aux anciennes méthodes et ne baignait pas tant dans la peur, peut-être que... Silence! Nous n'allons pas nous chamailler devant ces étrangers. Ce qui est fait, est fait. Ouais. Pardonnez ce spectacle. Recommençons à zéro, voulez-vous? Je suis Maître Hélène, humble artisan au service de ce clan. Ouais. Nous avons été contraints de ne pas nous éloigner de cette ville Shemlen. Alors ça, oui, j'ai vu un paquet d'étrangers traverser notre camp. Vous cherchiez quelque chose en particulier? De l'écorce de fer. Vous auriez de l'écorce de fer pure? Que feriez-vous avec de l'écorce de fer? Je ne connais pas un Shem qui soit capable de la travailler selon sa volonté. De toute façon, je n'en ai plus. Je sais où vous pourrez en trouver, mais vous n'arriverez jamais à le récupérer. Si. Nous avons perdu deux de nos meilleurs chasseurs dans ce secteur. Depuis, il est interdit de s'y aventurer. Ouais, je peux vous aider? Il y a un problème? Je peux peut-être vous aider. Ouais, j'aime ça. Que vous pensiez pouvoir réussir là où nous avons échoué est insultant. Ouais, les engeances règnent sur ce secteur. Tenter de les éradiquer pourrait nous coûter nos derniers précieux chasseurs. Je vais vous montrer où c'est. L'usage que vous ferez des informations que je vous ai données ne regarde que vous. Ok. La go for it, c'est où? Requête d'herboriste. Je ne peux pas bouger la map, ça m'embête. Requête herboriste. C'est pas là. Requête d'herboriste. Procurez-vous une glande de soda d'araignée, un croc dragon et de l'écorce de fer pour machin. Ok, mais vous indiquez où se trouve l'écorce de fer, mais il est également. Ok, puis la Mindos. Allez voir Uber au marché de l'autre ville en journée. Bon. Il m'a indiqué où c'était, mais je ne sais pas où. Alors, la sortie la plus proche est par là. Bon, bah, on a pris une quête. D'accord, c'était la quête, il fallait se renseigner auprès des Dalassiens. Afin de... d'avoir des indices. Donc, on va retourner... alors là, il y a quoi comme quête? Éviter de justesse. Ordre du magistrat, requête d'herboriste. D'accord, on va aller là. Des ennemis en votre sein. Ok. Requête d'herboriste. Donc là, il nous manquait de trucs. Ok, il fallait aller là. On est là. Éviter de justesse. Éviter de justesse. On va revenir petit à petit. Ah merde, j'ai pas le choix. Bon, bah du coup, Fenris, on ne sera pas là. Ok, allons-y. On n'a pas découvert la map, c'est super. Mais rien que l'on ne puisse gérer. Bon, ça, ça pue. Ça, ça pue. Ah, ça, ça pue vraiment le... Pencher. Ah, c'est toi, assassin écumeur. Les assassins, je les aime pas. Trop comme moi. Et c'est fourbe. Ah, ça fait plaisir. J'aime ces petits combats-là. Par où aller? Par où aller? Forcément, la carte n'est pas débloquée. Là, c'est par là. Donc, on va aller par là. Alors, faut bien y aller par étapes. Hein. J'aimerais bien débloquer les zones, en fait, pour qu'on voit tout ce qui en est, tous les problèmes. Enfin, toutes les, la carte complète, là. Bâton gravé. Pas l'air terrible. C'est pas ça que je veux. Tiens, t'as pris un level, toi, d'accord. Tu vas m'augmenter ta conce et ta force, comme ça. Ouais, comme ça. Je confirme, et tu vas partir. Toi, tu es sur quoi? Je ne sais même plus ce que je t'avais donné. Tu es parti sur le belliciste, c'est ça. Le belliciste, bah, tu vas faire de la bravoure. Allez. C'est parfait, et ce que je voulais, c'était ça.
le bâton gravé. 15, celui qui passe à 18, 13 générations de mana, endurance, en place, je sens que je passe à plus humain. Il a la même gueule. Dégâts feu, donc du coup, Meryl, t'as quoi, toi? 17. Tu tapes un peu moins fort. Ah, spirituel 17, d'accord. Bon, on va rester comme ça. Allez, continuons. Oh. Oh putain. La salle à manger là. Alors j'ai envie de débloquer pour voir parce que là c'est beaucoup plus tard vraiment. Oh non, mais ça va pas, regardez. Ah, piège à loup. Vache, c'est du mort. Je dois récupérer. Astrala, je ne tiendrai pas longtemps. Finissons ça. Voilà, putain. Ouh. C'était violent. J'ai eu un peu peur. Bon. Tu vas. Voilà, toi je m'en fous et tu restes blessé. Je vais économiser. Oh quoi que. J'ai quand même besoin de ton combat. Hein. Vraiment. C'était dur. Ok. J'ai rien. Juste au passage, j'ai rien oublié par là. Ce qui est du corps. Bon, d'accord, c'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. 7 minutes même. Je n'aimais pas du tout ça. Oh putain, mais pourquoi je me prends tous les pièges? Comme un gland. Je les vois pas. Assassin est humain. Oh, est-ce que je peux l'atteindre ici? Oh merde! Oh la vache, t'as à manger. Les assassins font vachement mal, hein. On est passé par où? Donc on a fait le tour comme ça. Donc il faut. On va aller par là. J'ai tout pris. J'ai l'air d'avoir tout pris. J'ai l'impression d'avoir tout pris surtout parce que j'ai pas l'air. Ok, ça super, ça super, ça. Bon, super, c'est bouché. Une route de débloquer. Encore un gravat plutôt. Des fragments d'opale. Ok, donc là on a défini toute la zone. Il ne reste plus que la zone. J'ai vu assez peu. Non, mais la zone au final.
Le lieu de l'embuscade ne doit pas être très loin à présent. Tenez-vous prêt, Hawk. Ah. Assassin. Ok. Bon, en plus, je peux discuter avec eux, j'ai l'impression, là, non ? C'est une quête. Les cibles ! En avant pour la garde civile de Kirkwood ! Un piège. Ok, bah on va faire ça vite fait. On va faire ça, les la sœur... Ah, assassin, tu es là. Ah là, c'est comme ça qu'on bat un assassin. Ah l'enfoiré. Oh putain. Ah là, je vais assez que fini. Écumeur, archer, écumeur, écumeur qui. T'en sors plus. Ok. Plutôt bien équipé pour des bandits. Mais bon, un mort, c'est un mort. Et la voie est libre. Il faut prévenir le capitaine Jeven. Retournons au camp pour toucher cette récompense bien méritée. D'accord. Ça me va carrément. Ah bah tu as arrêté de... Barré. Oh, nécessaire de soin, ça c'est GG. C'est fait. Ok, ça donne de l'XP, ça fait plaisir. Assassin, donc toi, y'a rien pour toi. Tadam, balam. Donc c'est bon ça. Et on a carburé. Ouais, carrément, je rassemble. Donc je pense qu'on va retourner à la ville un peu. Voilà. Oh la vache. Alors, éviter de justesse et le pommeau, on va aller là. Deux choses déjà, deux quêtes à faire, à remplir. Ça va être droite. Combien de temps vais-je devoir encore attendre? Mais c'est GG. Le camp n'est pas très confortable, mais c'est le seul endroit où j'ai envie de me trouver. Voilà les quartiers de Jeven. Attendez-moi, je vais lui expliquer notre plan. D'accord, pardon pour la survenue. J'ignore comment ça se passe là d'où vous venez, mais ici c'est moi qui décide des patrouilles, pas vous avec vos caprices. Oh putain. Vous êtes peut-être passé lieutenant dès la première année, mais il est hors de question que je traîne des matuvus sous mes ordres. Est-ce que c'est clair? Retournez à votre poste avec votre sbire de Ferelden avant que je vous jette en prison. Qu'est-ce que ça a braillé? Tout ça pour lui rendre service? Nous avons tué des brigands de grand chemin. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la patrouille concernée? Ah, j'aime. Ce n'est pas la première fois que le capitaine me met la puce à l'oreille. Quelque chose ne tourne pas rond. Qui patrouille? Ça m'intéresse. Il est temps de découvrir dans quel guépier vous vous êtes fourré cette fois. Ouais. Il n'y a qu'à vérifier le tableau de service. Il devrait nous indiquer qui était censé emprunter cette route. Dans quel guépier je me suis encore fourré, moi? J'aime beaucoup. Du coup... Registre poussière. Hein. Aveline! Comment tu marches? Merci de m'avoir tiré de cette embuscade l'autre soir. Je vous dois une fière chandelle. C'était votre parcours de ronde, Brennan? Oui, je patrouillais seul. J'y serais resté à coup sûr. C'était une patrouille de routine? Donc vous n'avez rien remarqué de particulier? Il n'y avait eu aucun souci depuis des semaines. Les ennuis ont recommencé peu après votre apparition avec Aveline. Le capitaine m'a affecté à une autre tâche quand il a eu vent de vos exploits. J'ai donné la sacoche à Denik pour la patrouille de ce soir. La sacoche? Des paiements, des ordres de mission. Le capitaine nous charge de remettre ces documents aux arrière-postes lors des patrouilles calmes. D'habitude, ce n'est rien de plus qu'une copie du tableau de service. La sacoche de ce soir pesait bien lourd, mais enfin... Ah. En tout cas, merci encore, Aveline. Vous êtes une sacrée bonne femme. Si on récapitule... La sacoche s'est alourdie le soir même où l'on évite une embuscade.
sarcophage de souvenirs. Vos collègues se font rouler. C'est un plan pour livrer le sarcophage. Vous pourriez avoir de gros ennuis. Ah, j'aime bien. Vous pourriez avoir de gros ennuis. Vous êtes sûr de vouloir vous mêler de tout ça? Vous parlez de votre supérieur tout de même. Quand la vie d'un garde est en danger, un bon capitaine est censé vouloir savoir pourquoi. Ah, j'aime beaucoup. Et si Jeven n'est pas un bon capitaine, j'entends découvrir pourquoi. Hey. Vos collègues se font rouler, c'est vrai. C'est un plan pour livrer la sacoche. Pratique pour passer des informations discrètement. Brennan a déjà rempli sa mission. Un autre garde est en train de tomber dans le piège. Je ne peux pas laisser faire ça. Brennan a parlé de Donick, un chic type. Donick. C'est bon, j'ai trouvé. Une balade nocturne dans la basse ville. Allons vérifier que sa patrouille est aussi tranquille qu'elle est censée l'être. Oh, eh ben on s'occupe de ça directement dès la prochaine fois. Évitez de justesse, on continue. Et je voulais juste valider la quête là. Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient. Vous avez trouvé cet objet? Je ne sais pas quoi dire. Ok. On va s'arrêter là pour l'épisode du coup. Ouais, je sais. Sauvegarder. Pour l'épisode 20. Hop. Et donc la prochaine fois, on s'occupe directement. C'était comment ça s'appelle? Éviter de justesse, voilà. On va s'occuper de la quête de Aveline. Directement, ça a l'air... Moi, ça m'intéresse beaucoup, celle-là. On va voir ça. Dans la base ville, en plus, la nuit, super. On va se faire attaquer tout le temps, c'est génial. Bon, je vous donne rendez-vous pour la suite la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ouss.